Et bienvenue chez les Copettes en Goguette. Donc on se retrouve pour le retour de vacances. Le retour de vacances. Et donc tu es... Donc moi c'est Violaine, de Une Hippie dans la Ville. Vous me retrouvez sur Facebook et Instagram sur Une Hippie dans la Ville. Sur Ravelry, mais mon compte n'est pas encore bien fourni. Bien rempli. Donc ouais, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. On a encore du boulot pour les remplir. C'est ça. Et moi je suis... Alors moi je suis Maria, mais mon nom... J'ai un compte Instagram, c'est Manu Bricole. Voilà. Et un compte Ravelry, mais pas du tout alimenté. C'est-à-dire que j'ai que mes fiches, mais j'ai pas du tout mes projets signés avec mes fils et tout ça. On a plus tendance à compléter sur papier, quoi. Ouais, c'est vrai. Sur nos petits cahiers. Ouais, c'est ça. Qu'on va vous montrer, qui vont nous servir. Alors, du coup, on est en retour de vacances. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Eh ben, La dernière fois, c'était à peu près pour le dernier podcast, en fait. Ouais, c'est ça. Où on se préparait pour les vacances. Voilà. Donc, on est parti chacune notre tour. Voilà. Et là... Et puis on a bossé quand même pendant les vacances. Ah ben oui, un petit peu avant, un petit peu après, hein, même s'il y a eu moins de choses. Ouais. Mais voilà. Donc, on a découvert plein de choses. On attaque. Allez, go. Alors, il est d'usage de dire ce qu'on porte. Alors moi, j'ai des vêtements faits main sur moi, donc je vais vous les présenter. Alors, je me lève un peu pour que vous voyez. Donc j'ai un petit haut. Alors là, c'est le... Je regarde mes notes. C'est le petit haut de Isé de PM Pattern. Donc, je l'ai là. C'est ce... Voilà. Alors, vous n'allez pas voir, mais on a essayé de s'organiser. Alors, je vais vous montrer aussi le bas. Alors, le bas, je ne sais pas. Il y en a qui montent sur les canapés comme le lapin d'Alice. Ouais, alors, c'est un pantalon large. Un pantalon large. Alors, attendez voir. Eh, on va se la faire... Voilà. Pas, surtout. Un pantalon large avec... qui est vraiment très large. Vous savez, les pantalons, on appelle ça les pantalons palazzo. Donc, c'est le pantalon romarin de blousette rose. Et alors, franchement, c'est mon patron. J'ai presque pas eu à le retoucher. Et c'est vraiment le patron de pantalon qui me va. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite ça sur des... Sur les fiches. Et c'est marrant parce que ton haut que tu portes, si j'avais dû... Parce que moi, vous verrez, je ne porte rien aujourd'hui que j'ai fait. J'ai pas eu le temps ce matin, j'étais mal organisée. Mais si j'avais dû porter quelque chose aujourd'hui, ça aurait été le même patron que le haut de Maria, mais que j'ai en robe. Et étant donné qu'il fallait que je le repasse, bon voilà, donc je l'ai pas porté. Et donc il faut vous dire que c'est avec les Copettes Couture qu'on a fait ce petit haut. Ouais, donc en fait, le principe, c'est qu'on se rencontre tous les 15 jours. Ouais. Et puis, on fait des patrons. Alors, en commun ou pas en commun. Alors, là, je l'ai là. Alors, donc, je ne sais pas si vous allez... Alors, attendez, où est-ce que je vais zoomer? Je ne sais pas si ça va zoomer. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, on vous mettra les liens, hein, avec le lien Internet. Et puis, sur le pantalon, donc, le pantalon, c'est celui-ci. Parce qu'il a l'air d'être agréable, ton pantalon. Ah ouais, super. Et c'est... Alors, c'est une taille haute. Tu l'as fait en... Alors, c'est du lin coton. D'accord. C'est une taille haute, on a des poches. Franchement, le tuto pour la braguette, il est génial. Vous allez sur le site, il y a un petit tuto. Mais franchement, nickel. Et puis, donc, c'est un pantalon très large, tu vois. Oui. Alors, le pantalon palazzo. Donc, voilà, je vous ai pris la fiche. Il est à 10 euros en PDF. Alors, est-ce que ça va zoomer? Avec l'appareil photo, voilà, là je crois qu'il a zoomé. Et puis donc, vous verrez, vous irez voir les liens. Vous verrez, il y a des photos de pantalons portés. Et franchement, vous vous rendrez compte, voilà. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais m'en refaire. Cet hiver, je vais porter ce genre de pantalon. Avant c'était des slim, bon, après j'ai changé ma morphologie. Maintenant c'est des tailles hautes, un peu plus larges, voilà. Ouais, mais c'est la mode. Voilà, en plus, dis-toi que c'est la mode, ça tombe bien. Voilà. Donc, voilà ce qu'on porte. Voilà. Donc, moi, je disais, je ne porte rien. Bah si, tu portes une robe. Mais oui, je porte une robe, voilà. mais pas faite main. Pourtant, j'aime beaucoup le patron, mais voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, alors, les mancherons sont doublés, c'est pour ça. Et en fonction du tissu qu'on utilise, on n'a pas du tout le même rendu. C'est ça. Moi, c'est donc un lin... C'est dommage que, tu vois, j'ai pas eu le temps. C'est un lin de chez Lin Vosges, qui fait des draps en lin. Et qui peut, et on peut acheter du lin au mètre, et c'est du lin qui est en 2,80 m de large.
Des fois, il est soldé. Et c'est un rose pâle. Je ne sais pas si on le verra au niveau de... Voilà. Et donc, il a une tenue, il a une tenue où mes petits manchons, ils sont vraiment horizontaux. Ouais. Bah, toi, la prochaine alors fois, que tu la moi, mettras. Il tombait. Ouais. Voilà, ouais, ouais, voilà. J'essaierai. Ouais, de la c'est la version avec un dos normal, mais on peut faire une version avec un dos creusé. Toi, tu l'as fait oui, en dos creusé. C'est ça, ouais. On peut faire un petit pli derrière. Je l'avais fait avec un dos creusé et un pli. Voilà. Ouais, et ouais, là, il ouais. y a une version manche longue et version robe aussi. Voilà, vous verrez tout c'est ça sur le site. Voilà. On attaque les ouvrages finis. Allez, les ouvrages finis. À toi d'y aller parce que tu en as. Ouais, j'en ai pas mal. Donc les ouais. objets finis. Juste avant de partir en vacances, parce que c'était trop beau que mon atelier soit tout beau, tout rangé, il a fallu que je me fasse un sac projet. Je vais commencer, ouais, je commence par la couture. Oui, comme alors ça, en fait, je vais dans l'ordre chronologique. Voilà, dans ma tête, voilà. C'est plus comme ça. Je ne l'ai pas noté comme ça, mais voilà, voilà, c'est tout. Mais on va mélanger couture et tricot et crochet et filage, ouais, dans tout ce qui va être terminé. On fait comme ça. Voilà, ouais, ouais. Parce que si vous n'êtes pas intéressé, écoutez-nous quand même. Ça va peut-être vous donner l'envie de faire ça. Et hein, de toute façon, maintenant, parce que je deviens. On devient des warriors du montage. Je devrais pouvoir vous mettre les chapitres en dessous. Donc, si jamais ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer. Il y aura pas, il y a pas de souci. On vous en voudra pas. Donc, avant de partir en vacances, j'avais des projets. Je vous en avais parlé. Mon châle, entre autres, que je voulais faire au crochet. Sauf que pour l'emmener, je n'avais pas, ou en tout cas pas ce que vous bah, convenez. Parce faut. Que voilà, c'est ça. De jolis sacs à projets pour le tricot. Donc, je me suis fait ce petit sac. J'ai vu en fait Petite Knit qui sortait une collection de sacs à tricot de plusieurs tailles, et quand je l'ai vu je me suis dit mais il est super beau. Moi j'avais ce qu'il fallait, je m'étais acheté un tissu matelassé pour justement me faire un sac à projet, et du coup je l'avais pas fait. Donc avant les vacances j'ai pris un petit après-midi tissu, et en fait voilà mon sac à projet. Alors je vais l'approcher. Alors c'est vrai qu'on n'a pas une bonne alors il fait très chaud, hein. Je crois qu'il ouais, faire, c'est ça. Il fait, ouais. Et donc j'ai baissé un peu les stores pour pas qu'il y ait le soleil, et du coup il fait peut-être un peu pâle. On va le voir, oui. Je vous l'approche pour que vous voyez vraiment la couleur. Oui, là on voit. Ouais. Donc voilà, en fait il est rose avec des petites. C'est toi qui l'as matelassé fleuri. Non, il était déjà matelassé. Matelassé. Oui. Et puis j'ai fait une broderie. Ah oui. Sur le devant. Donc broderie machine, parce que tu as une brodeuse brover. Oui, c'est ça. Donc Violaine a la chance d'avoir une brodeuse et. Ça, éclate aussi, hein. C'est le petit pins que j'ai acheté à une créatrice pendant les vacances, donc souvenir de vacances. Après, elle a une petite sangle avec un petit peu de paillettes, parce que bah on aime bien les paillettes, je sais pas si pour le porter au bras, voilà, tout simple. Hein, après, quand on veut l'ouvrir et tricoter. Oui, c'est ça, parce que du coup, voilà, on peut le porter comme ça, hop, et tricoter en même temps, c'est pas gênant. À l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai mis. Alors, il donc, est pas doublé. Ok. Donc, j'ai fait, je vois. En fait, un. Tu as abordé ton. Tu as abordé toutes tes coutures, tu as gansé tes coutures. Mais voilà, en fait c'est ça, j'ai gansé les coutures, parce qu'étant donné qu'il était réversible, enfin le tissu est réversible, je voulais pas mettre une doublure, donc en fait j'ai mis un biais à chaque fois. Et pour la fermeture et le petit froufrou, tout simplement ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau de tissu matelassé que j'ai décousu. Ah, t'as décousu tout le matelassage. Oui, j'ai décousu tout le matelassage. Oh là 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 là. Moi, il n'y avait pas besoin d'un grand morceau. Mais en fait, je voulais récupérer l'intérieur. Pour qu'on puisse le voir à l'extérieur. Ouais. Donc, vous voyez, là, on voit vraiment les deux tissus différents. Et à l'intérieur, l'unique. On a l'unique, voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, quand on le referme, on a les petits froufrous comme ça. Enfin, je le trouvais vraiment joli. Donc, c'est un joli pochon. Et donc, tu as fait alors, un. C'est pas. C'est fait sur un rond. Il est fait avec les coins qui sont non, cousus. Je voulais qu'il soit rond pour qu'on puisse mettre pas mal de choses. Ouais, c'est vrai. Et à l'intérieur, j'ai mis des poches en fait. Pour qu'on tu peux mettre des. Alors là, il y a du bazar. Des trucs. Là, il y a le mot bazar de vacances. Mais c'est normal d'avoir du bazar dans un sac. Qui sert ça, voilà. Au moins, les poches sont rentabilisées. Ouais. Et c'est un patron qui sort de ma tête. Après, il n'y a rien de particulier. Il y a juste cerf, la taille. Voilà, c'est ça. Il y a juste t'as la juste taille décidé la hauteur que tu voulais. C'est ou tu t'es adapté avec ton tissu. Non, j'ai t'as décidé dit, je veux 30, je par veux 25. Rapport à un petit sac que j'avais qui était bien. Donc, je l'ai fait pareil, sauf qu'au lieu qu'il soit carré, il est rond avec un cercle en base. Donc voilà pour mon projet couture terminé. Et j'avais fait aussi, donc pareil, hein, la dernière minute avant de partir en vacances, une banane
pour mon mari, la sacoche banane. Alors, qui est alors quand même je vais intervenir tendance. Aussi. Oui. Parce que j'en ai fait aussi. Ça, voilà. Donc, du voilà. Coup, alors là, on va faire un... Alors, je vais chercher mes trucs bananes. Oui. Donc, en fait, moi, je l'ai fait pour mon mari parce que bah, je lui fais rarement des créations, finalement. Donc à chaque fois, donc là la petite étiquette, alors il est sale hein, parce qu'il l'a traîné pendant 3 semaines où nous on baroude, hein, on a un camion aménagé, un petit combi, et en fait on est en vadrouille pendant 3 semaines, donc il a traîné sur les routes, dans le combi, mais un peu dans l'air. Ça veut dire qu'il est utilisé. Hein. Là pour le coup, ouais. Donc il est un peu sale, je suis désolée, mais il y a la petite étiquette que je lui avais cousue en adéquation avec la sangle que j'avais trouvée. Et je l'avais doublé sur tes bons conseils, puisque c'est toi qui avais trouvé le tuto. Le blog, et je vais vous le citer tout à l'heure, le blog qu'on a utilisé pour le faire. Avec des combis. Donc voilà, elle est toute simple. Donc c'est le patron ETA. Le patron ETA de Fibromode. Donc vous trouverez le lien en description. En bas. Hein, Violaine s'occupera de mettre le lien. Vous pourrez le télécharger, il faut juste faire partie du membre de la communauté de Fibromood, donc s'inscrire avec un mail. Et donc c'est un patron qui était sorti l'hiver dernier, enfin peut-être avant. Sorti l'hiver. Ouais. Et moi le premier que j'ai fait, alors moi j'en ai fait 3 des bananes, donc je vous en parle aussi. Donc le premier que j'ai fait, c'était la voilà ma banane avec un tissu qui venait d'une box couture de chez Craftine. Et la banane faite par ETA, la banane ETA de Fibromood n'est pas doublée. Et donc, il y a un blog, enfin, vous trouvez ça sur un YouTube. Oui, donc, je le mettrai en lien. La vidéo lien, vient du site Rock Lemon Blog, où à un moment, quand vous allez voir toutes ces vidéos, vous allez avoir... banane ETA. Et donc, bah, vous avez la banane, tout est doublé à l'intérieur, en fait. On n'a aucune couture apparente. Mais c'est vrai que les finitions, elles sont super sympas. Voilà. Je trouve pas que ça soit plus compliqué à coudre. Non, pas du tout. En fait, on le fait à l'avancement. Oui, c'est ça. Hein, et à la fin, on fait le système du fourreau, un petit peu du burrito. Oui. Voilà. Alors moi, il y a juste là où c'était un peu épais pour retourner. Voilà, oui, parce que toi, t'avais du four. Ouais. Bon, moi, ça allait. Hein. C'est un jacquard. Hein. Un jacquard, un tissu jacquard, quoi. Voilà. Et donc, alors je l'ai utilisé cet hiver, très pratique. Et puis, est venue la mode au printemps des bananes, mais des maxi-bananes. Ouais. Et j'avais vu donc quelqu'un qui avait ragrandi ce patron-là et qui avait parlé de 200%. Bon, je m'étais dit 200%. Bon. Je vais sur ma photocopieuse qui est aussi mon imprimante et moi, je pouvais faire que du 140. Donc, je me suis dit, je vais essayer de la doubler, de la ragrandir. Donc j'ai fait cette version immense, hein, alors là vraiment immense de chez immense, hein, regardez. C'est une besace presque. Voilà, c'est une grosse besace, voilà. C'est simple, hein, j'ai un mini iPad, il rentre dedans, hein, vous voyez. Oui, mais c'est pratique. Vraiment. Voilà, c'est pratique. Ouais. Alors quand j'ai des choses importantes à mettre dedans. Bon là, j'ai pas fait la petite... Oui, le rabat. Le petit rabat, oui. Hein, je l'ai mis comme ça. Je vous montre, mais, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. Si jamais vous voulez la ragrandir, fermeture. Voilà, 140, ça fait ça. Alors, un conseil, donc c'est une erreur que j'ai faite de ma part, il faudrait que je refasse, c'est que quand on ragrandit, j'ai ragrandi, normalement, ici on a une pièce, hein, vous la voyez là, et normalement, cette largeur-là, elle n'est pas trop gênante par rapport à la sangle qu'on met. Elle équivaut à la sangle. Vous imaginez que si on fait 140, quand on ragrandit, on arrive à là. Ce qui fait que je ne trouve pas ça beau. Voilà, on a ça au bout, c'est-à-dire qu'on a un haut là, enfin on a une partie qui est trop grande. Donc si jamais vous voulez la ragrandir, il faudrait que vous retravaillez votre pièce de patron pour ici retomber ici à cette hauteur-là et non pas à la hauteur puisque vous avez ce bout de banane qui voilà, alors qui sert à rien. Alors j'ai essayé, je me suis dit je vais la reprendre, mais alors la reprendre ici, ça me fait toucher ici, enfin c'est assez compliqué quoi, voilà. Donc ça c'était un tissu, un canvas de chez Silhouette Six que j'ai. Il est beau ce tissu. Ah, il est beau. Ouais, il est beau. Ouais. Voilà. Et ils ont d'une collection de cet été, donc tissu que j'avais eu à la mercerie La Rochelle. Quand on va chez les amis à La Rochelle, je vais voir Pauline. Voilà. Et puis du coup, dernièrement, ils ont sorti une nouvelle collection, Silhouette Six. Et donc j'ai adoré celle-ci. Voilà. Et du coup, je me suis fait la banane avec cette version été. Hein,
avec voilà, avec une doublure à l'intérieur, et puis voilà. Et j'ai fait comme Velaine, c'est-à-dire que contrairement à ces bananes là qui ont des mousquetons, enfin c'est pas des mousquetons, ouais, mais des clips, compris, des clips, l'autre aussi je l'en ai fait, et ben pour pouvoir la régler, voilà, en fait comme on la porte en bandoulière, ouais, bah on n'a pas besoin de les régler. Voilà, donc elle est lâche, quoi. On la remonte, si voilà. On sait, en fait, si on sait voilà. Pour qui on l'a fait, c'est ça, on peut prendre la mesure. Il n'y a pas besoin, enfin, voilà. Moi, c'est voilà. Vrai que Jessie, il voulait pas de mousquetons. Donc, j'ai trouvé ça sympa. J'avais pas en plus sous la main les mousquetons pour mettre sur cette. Donc, ça vient, ça doit venir de chez Toto. Voilà, un peu avec des paillettes aussi, ouais c'est ça. Ouais. De chez Toto, le tissu Silhouette 6 que j'ai aussi à la Mercerie de la Rochelle. Je lui commande des choses, en fait. Quand, voilà. Et elle me les envoie par courrier. Voilà. Et puis donc, on a fini sur le projet commun, en couture. C'est ça. En fini. Tu avais d'autres projets couture ? Ouais, j'ai d'autres projets couture terminés. Et bah du coup, je te laisse les présenter. Alors, moi, en terminé. J'en ai plus, j'avais que ces deux-là. Les deux, voilà. Et in extremis avant de partir en vacances. Projet couture, je vais être rapide parce qu'on va être long quand même. Hein. Non, on a des choses à présenter. 18 minutes. Alors, projet couture. Elles ont été riches les vacances. Projet couture. Donc, un top. Oh, il est sympa. Ouais, un top, donc large, voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé ce top parce qu'il avait cette encolure asymétrique. Ah, oui. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais il a ici des pinces. Enfin, il a des plis. Il y a un pli ici, un pli là et un pli là. Voilà. Donc, un Liberty qu'on ne trouve plus. Donc, c'est un tissu Liberty. Et puis, dedans, j'ai doublé avec un cordonnet, un espèce de petit chambray très fin. Alors, ce patron-là, c'est le patron Tank, de Itch to Stitch. Et donc, du coup, je vais vous le montrer en couleur, parce que moi, quand j'imprime mes patrons, je ne les mets pas forcément en couleur. Et du coup, il faut que je retrouve. Alors, je ne suis pas encore bien rodée, hein. Je pensais que j'allais... que ça n'allait pas s'effacer. Donc voilà le Sentosa Tank, voilà, sur le site. On vous mettra les liens. Donc vous allez voir. Oui, d'accord. Voilà. Alors là, vous le voyez mieux en fait. Alors il va faire la mise au point, je pense. Non, il ne veut pas la faire. Bon, on vous met le lien pareil. Ça y est, vous l'avez. Ouais. Donc là, on voit bien les trois plis. On voit bien le décolleté asymétrique, pardon. Et puis il est préconisé de. En jersey, mais moi je l'ai fait en chaîne étrable. Ah oui. Voilà. Bah oui. Ouais, et oui. Ça passe, hein. Franchement, ça passe. Voilà. Ah oui, en effet, je l'aurais moins vu en jersey aussi. Ouais. Et puis j'ai cousu pour ma petite fille qui rentre à l'école. Elle m'a commandé une blouse parce qu'elle fait du dessin. Oui, bah oui. Et ouais. Alors je lui ai fait une petite blouse. Alors donc c'est un tissu Stella Duval, petite popeline. Alors en fait, il y a des empiècements ronds. Il n'y a pas tellement de franges, je vais vous expliquer pourquoi. Derrière, donc, j'ai l'empiècement rond. Bah, elle est toute simple. Et puis, j'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stock. Alors, voilà, des petits boutons d'école. J'espère qu'au lavage, ils vont tenir. Voilà, bon, une petite blouse toute simple. Alors, je lui ai fait du 10 ans. Et j'ai utilisé comme inspiration un livre que certaines couturières doivent connaître. Surtout les grands-mères ou les mamans, intemporel pour enfants. Et donc, c'est la petite blouse qui est en page, page 73. Et c'est une tunique à encolure ronde. Mais je l'ai transformée parce qu'en fait, elle était ouverte que sur l'empiècement. Donc moi, j'ai continué avec une patte de boutonnage. Et puis, ça s'arrête à la taille 8 ans. Et du coup, j'ai fait 10. En agrandissant mon patron. D'accord. Mais je pense que j'ai pas de front sur le devant, donc j'aurais dû agrandir un peu plus. D'accord. Mon parce que normalement il y a des fronts. Il y a un peu de front, ouais. Quand on va, je vais vous montrer 120. Ben là voilà. Ah oui. Voilà okay. La photo. Et vous voyez la petite fille, on voit quand même qu'elle a des fronts. Et moi j'en ai pas souvent. Oui, d'accord. Donc j'ai dû me planter. C'est pas bien grave, on fera mieux non, la prochaine fois. C'est pas... hein voilà. Donc, et puis les petites manches élastiquées, voilà, toutes simples, voilà, avec du tissu de mon stock et des boutons de mon stock, parce qu'on en a toujours trop, des boutons, enfin voilà, il faut les utiliser. Hein. Voilà. Et puis, après, j'ai d'autres petites cousettes encore. Mais tu as du tricot terminé ? Oui,
Après, j'ai du tricot terminé. Est-ce que tu veux qu'on finisse la couture ou est-ce que tu veux qu'on finisse la couture? Allez, alors on termine la couture. Allez, on termine la couture. On y va comme ça. Du coup, on avait bien... Mais du coup, je me lève. Hein. J'avais dit, je me lèverai pas. Si ça te va. Alors, en tricot terminé. Alors, je me suis fait... En couture, du coup, c'est ça, toujours en couture. En couture, excusez-moi. En couture terminée. Alors, en couture terminée... Maintenant, on a les cheveux dans le vent. Voilà. J'avais trouvé un joli tissu de chez Dashwood avec des petits boutons pour faire le petit sac nomade, hein, celui où on peut tricoter avec la pelote. Alors j'ai utilisé cet été pour aller en vacances dans la voiture et la pelote ne tombe pas par terre. Donc ça c'est nickel. Oh, oui, j'ai donc pensé, devant oui. J'avais fait un petit flex avec des aiguilles à tricoter et j'avais 50 cm de ce tissu là, voilà, que je voulais utiliser pour des trucs à tricot. Alors le patron de ce sac là, il vient de... Donc, je vous donne le lien. Vous aurez le lien en bas de la page. Donc, c'est Shop Marie-Gilles qui fait beaucoup de poupées. Mais sur son blog, elle a ce tuto-là où vous avez... Elle vous donne le patron, en fait, du sac. Voilà. Et donc, il est doublé. Et avec ce petit tissu-là, j'ai voulu vraiment... me faire utiliser les patrons. Ah oui, tu t'es fait une panoplie complète, quoi. Il ne me reste plus de tissu. Ah oui, d'accord. Donc, je me suis dit... J'ai réutilisé... T'avais combien de mètres de... J'avais 50 cm. Ah oui, en effet. Donc, avec 50 cm, j'ai un petit sac nomade. J'ai une petite trousse. Oh, elle est mignonne comme tout. Où je range toutes mes boîtes de marqueurs. Hein, Oui. Voilà. J'ai plein de boutons. Donc là, j'ai fait... un petit rond en feutrine et là j'ai mis un petit bouton en terre cuite que j'avais dans mon stock mais je ne sais pas de où, enfin voilà. Et puis j'ai fait des pochons comme ça qui sont les pochons Teddy de 2N Création. Voilà, donc j'ai réutilisé mes tissus, donc vous voyez quand j'ai coupé ce tissu là ici, j'avais des morceaux là, et ben on les retrouve ici, hein, on retrouve ici ce morceau qui est à côté du vinyle. Et donc le patron de 2N Création, c'est le sac Teddy. Il est donné pour un très grand sac hein, qui fait 50 cm de haut. Mais moi, je l'ai adapté en fait. Je me suis fait une petite fiche comme ça. Alors, voilà le patron du sac de chez 2N. Pareil, vous aurez le lien tout en bas. Donc, il est très grand. C'était pour ranger des doudous. Et moi, je me suis fait une fiche comme ça que j'ai même plastifiée avec mes petits A, B, C. J'ai mis toutes mes pièces hein, quand je dessine. Et puis, en fonction du tissu que j'ai, eh ben, j'adapte tous mes A, toutes mes pièces A, toutes mes pièces B, combien je dois en couper, intérieur, extérieur, voilà. Ouais, et donc, du coup, je m'adapte au tissu pour que rien ne se perde, quoi. Voilà. Donc, j'ai celui-là où je mets de la laine... une laine que j'ai achetée, ça fait pas très longtemps. Et puis ça, c'est celle que j'ai en cours. Voilà. C'est ce que je tricote en ce moment qui est là-dedans. Enfin, les pelotes. Hein. Voilà. Et par transparence, eh ben, on voit tout de suite ce que vous avez dans votre pochon. Et donc ça, vous voyez, ça, je vais aller le mettre dans mon armoire à stock. Et donc ça reste en tissu pour que la laine respire. Hein, c'est pas tout plastifié. Et puis, comme ça, on sait ce qu'il y a dans votre sac à laine. C'est plus des sacs à laine que des sacs à projet. Oui, d'accord. Voilà. Pour faire. Donc ça, c'était mon petit ensemble avec 50 cm et puis tous les autres petits tissus d'intérieur qui sont voilà. Et puis dernière chose, toujours en utilisant mes tissus. Donc vous avez vu mon tissu que j'aime beaucoup où j'ai fait ma grosse banane. Oui. Donc il m'en restait un peu, mais vraiment pas beaucoup. Il me restait une bande comme ça. Ah oui, en effet. Et un petit carré comme ça. Mais pareil, il ne me reste plus rien. Donc j'ai fait une trousse. Alors effectivement, hein, elle a un format, mais elle a un format qui est super pour ranger les écheveaux. Ah bah oui, du coup. Oui, voilà, oui, mais oui, on les voit pas par transparence. Et alors j'ai plein de boutons, donc je me suis dit oh bah je vais agrémenter, donc je fais des petites choses comme ça pour m'amuser. Voilà, des boutons en acre. Ouais, voilà. J'ai recollé de la dentelle ici, de la dentelle ici, des petites étiquettes que j'ai en bande. Voilà. Donc ça, c'est mes petites... j'ai découpé du petit cuir ici pour la tirette. Voilà. C'est, et dedans, bah, j'ai mis c'est mon... super sympa. J'ai mis toutes les laines que j'ai filées. On a aussi une partie filage avec Violaine qu'on va vous montrer. Ouais, on va vous en parler, ça, du filage. Voilà. On le pose par ici, pour le filage. Voilà. Et bien, en couture, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord. Bon. Et maintenant, c'est tricot. Ben, on passe au tricot, alors. Et puis donc, on passe aux objets... terminé. C'est ça, objet terminé, mais pour le tricot. Vas-y, à toi.
démarre. Vas-y par toi. Bah tiens, commence par le crochet parce que j'ai montré plein de trucs en couture et là j'ai la gorge un peu. D'accord. Vas-y. Alors du coup, moi je vous l'avais dit dans le podcast dans le dernier podcast, c'est qu'en fait moi l'été c'est plus le crochet. J'adore ça, ça fait un peu hippie bohème, enfin c'est mon truc. Donc avant les vacances, il y a eu les soldes. Fildart a fait moins 50% sur une grande partie des fils qui proposent sur leur site. Et je me suis fait plaisir en achetant du fil coton 4 en plusieurs couleurs pour me faire un sac granny. Donc avec des petits carrés tout simples. Je voulais pas de fleurs, donc je vous le présente. Le petit sac que pareil, j'ai traîné pendant 3 semaines en vacances. Des super couleurs. En fait, de toute façon, sur ton Instagram, tu le montrais. Oui, il est sur mon Instagram. Estival. Ouais, j'adore les couleurs. Bah, de toute façon, il a un bon gabarit aussi. Hein, et oui. Il a une bonne taille. Voilà, donc crocheté avec du numéro 4, en fonction du fil de coton que j'avais acheté. C'est un patron que j'ai trouvé sur Atelier Archibald. Donc elle proposait le granny pendant le confinement et après l'assemblage pour pouvoir faire justement quelque chose des granny avec ce sac. Franchement, c'est une bonne idée. Il est vraiment super sympa. T'en as fait combien? Alors il y a 13 carrés. 13 carrés assemblés. Qu'on assemble d'une certaine façon. Vous voyez, donc là, on voit bien, il y a les 5. Ouais. Et il y en a 3 sur les fonds, en fait, moitié. Le devant et l'arrière. Ouais, ouais. C'est ça. Et puis après, super. Vous les joignez du coup avec un fil un peu plus neutre. Ah après, oui, donc après, tu refais une bordure. C'est ça. Et je refais une bordure et en même temps les anses. Ouais. Donc pareil, anses que j'ai fait à la taille que je voulais. Que toi tu veux. J'ai utilisé une plotte de chaque couleur. Donc il y a 5 couleurs. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 5 couleurs principales, on va dire. Et donc une plotte de chaque. Et 2 plottes pour la couleur neutre, si on choisit du neutre, pour la couleur, pour les contours. Mais c'était bien. C'est la même couleur que tu as là, c'est une des couleurs. Voilà. Donc du coup, tu as une pelote en plus pour lui? Oui, deux plottes pour la couleur extérieure et une de chaque pour les carrés. Et à l'intérieur, j'ai fait une petite doublure parce que j'avais peur qu'il se tende. Et d'ailleurs, il s'est tendu même avec la doublure. Que tu as cousu à la machine. Que j'ai cousu, voilà, c'est ça. Ouais, que j'ai cousu à la machine et on ne voit pas, en fait. Bah, alors. Non. Comme et puis ça permet de bloquer. Et à l'extérieur, vous voyez, on ne voit pas du tout. Non, on ne voit pas que. Alors j'ai pris un fil qui aille quand même avec la laine. Mais clairement, on ne voit pas la différence. Et pour le gabarit de la doublure, je ne me suis pas embêtée. Hein. J'ai posé le sac sur le tissu. Et tu as tracé. J'ai tracé avec 1 cm de marge et j'ai fait ma doublure comme ça et ça va tout à fait. Donc voilà mon sac granny. Au crochet. Je pense que j'ai rien oublié sur ce projet. Je vérifie. Non, c'est bon. Et après, je vous avais dit aussi dans le dernier podcast. Ouais, tu nous avais montré une belle pelote de laine. Pelote en dégradé. On se demandait quelle couleur ça allait faire. Ouais. C'est ça qui est chouette. J'ai crocheté mon châle pendant les vacances. Ouais. Oh, j'étais tellement contente. Je l'ai commencé le vendredi soir. Le vendredi soir, on est parti de Reims. On a dormi à 3 parce qu'on ne fait pas beaucoup de route, mais au moins on est parti de la maison. Oui. Et sur le parking de 3 à côté des magasins d'usine. Donc rien de sexy pour un spot en vacances. Mais c'est pas grave, j'ai sorti ma pelote et j'ai fait les premiers rangs. Et là tu t'es je dit, l'ai terminé. Le paysage est beau, c'est mon crochet qui me donne du peps. Oh, alors oui, c'est mon coucher de soleil 2022. Ah ouais. Et regardez ce châle. Ah non mais c'est super les couleurs. Tu vas du rose au jaune, avec de l'orange, du rose pâle. Il est super beau. Très chouette. Donc c'est un patron de Red Teapot Atelier, c'est le Pull Air Tea Shawl. Et alors, il est un peu plus, je dirais, il est trop jaune. Enfin, le jaune est beaucoup plus joli. Il fait trop jaune. Oui, c'est vrai. Hein, sur mon Instagram, il y a des photos de l'avancée. Et c'est vrai qu'en fonction de la luminosité, on ne sait pas toujours la vraie couleur. La vraie couleur, c'est peut-être... Là, on est peut-être pas peut-être mal, Peut-être un peu plus, ouais. Là, il est vraiment trop là, jaune. Là, il est trop clair. Non. Ouais. Je ne sais pas trop comment on fait pour avoir les vraies couleurs. Donc, il n'y a pas... Enfin, il n'y a quasiment pas un rang identique. Ouais. Mais alors, c'est... Au début, je me suis dit... Non, c'est ça. Il n'est pas lassant à faire. Et au début, j'ai eu peur parce qu'il faut compter. Il faut beaucoup compter. Tu peux mettre des marqueurs au crochet? Je sais pas. C'était compliqué, c'est pas en évident, fait. Hein, ouais, non, c'est filles, pas évident.
Ouais, des filles, ça fonctionne mieux. Ouais. Mais là, en l'occurrence, si tu sautes une maille, alors je vous avouerai qu'il y a des petites mamailles. Quoi. Oh bah, hein? Attends, moi je vais montrer mon châle, c'est pareil. Hein. Au bout d'un moment, quand dans une... Là, j'ai pas d'exemple, mais quand pour faire une dentelle, s'il me manquait un ou deux points par rapport à ce que le patron disait, je recommençais pas toute la longueur. Non, je l'ai fait une fois, deux fois au début. Après, ouais. Je me suis dit, non, mais franchement, on va bidouiller, ça se verra pas. Et au final, l'important, voilà. C'est le plaisir l'important... que tu prends à le tricoter. Bon, il y a une erreur, tu sais, personne n'est parfait. Voilà. Il faut qu'il soit symétrique. Il faut que tu sois, donc à chaque fois, voilà. Je comptais bien le nombre de dessins pour que ça soit symétrique, ouais. De chaque côté. Après, je voulais vous dire aussi, des jolies couleurs. Parce que pour le dégradé, me demandais comment était fait le dégradé. C'est des fils mélangés ? Et en fait, c'est parce c'est que le fil, il a quatre brins. Et c'est ça. Ah, et oui. De temps en temps, il y avait un petit nœud qui se faisait. Ouais, ouais, ouais. Donc, on commence par le jaune. Et tu changes un des quatre brins. Il y a un des quatre brins. Après, il y a un tu remets nœud. Deux brins. Ouais, là, on voit. Ouais. Ah ben là, on voit pile poil. Regardez, je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Ah, oui. Mais ça fait tout jaune. Et d'un seul coup, hop, il y a un petit nœud. Et on a un brin orange. Puis deux, puis trois, puis quatre. Puis après, on change de couleur. Et en fait, ça se fait comme ça, le dégradé. Et c'est vraiment... Et moi, je savais pas comment pouvoir se faire. Mais tu donc, sais, j'étais contente de découvrir ça. Ça donne des idées quand tu vas filer. Mais parce que si tu fais des retours à... Bon, il faut faire des retours à trois ou quatre brins. Mais oui. Tu peux changer tes brins pour avoir un dégradé. Ouais. Pas des rayures, parce que ça, c'est différent. Mais un dégradé. Mais un dégradé, voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, oui, figure-toi que j'y ai pensé. Ah oui. Oui, oui, oui. Donc, voilà mon châle. Donc, en coton, il tient pas très chaud. Mais pour les soirées d'été, c'est parfait. Parce que moi, le mien, il pique, c'est de la laine. Donc coton c'est chouette. J'ai rajouté 3 rangs à la fin parce que normalement on arrêtait à ce rang là, on commence par le milieu. D'accord, et puis tu déroules comme ça. C'est vrai que j'ai pas dit, voilà, et à chaque fois en fait on fait des triangles. Et tu augmentes ici au milieu quoi. C'est ça, l'augmentation, on voit la trame d'augmentation qui est juste là. Ouais. Et normalement... Et donc le dernier rang c'était feston, là, c'était petites coquilles. Oui, alors normalement c'était les petites coquilles d'avant, 3 rangs avant. C'était celle-ci là. Voilà. Hybride là. Et en fait, ça ne plaisait pas parce qu'on n'allait pas jusqu'au bout de la laine. Ah bah oui, on ne voyait pas le tout rose. C'est-à-dire qu'il en restait encore du rose clair dedans. Et moi, je voulais vraiment arriver jusqu'au bout de la laine pour qu'il y ait vraiment le dégradé là, complet. Et là, c'est les mêmes, elle a doublé là. C'est ça. C'est pareil, on n'a pas les bonnes couleurs. Donc du coup, j'ai refait en tout 3 ou 4 rangs enfin pour avoir suffisamment de rangs pour arriver sur la laine toute rose. Donc voilà, mon châle, qu'est-ce il que est léger. Contente ouais, il est léger. Bon, forcément, une couleur de combien de grammes je n'ai pas pris. J'y avais qu'une pelote. Avec une pelote, je crois qu'il y avait 800 mètres dedans. De toute façon, le patron, il est comme ça, il est fait pour une pelote. Ouais, ouais. Et c'était la laine qui allait avec. Enfin, t'as acheté la pelote qui correspondait au patron. Voilà. Ouais, vraiment. Mais comme vraiment, ça, là, on est fait, sûr d'avoir la bonne quantité. Ouais. Là, j'ai vraiment fait. Surtout quand tu fais un châle comme ça, que t'arrives au bout et que tu te dis. Mais du coup, t'en as rajouté un peu. Ouais, j'en ai rajouté. Il me restait de la laine, du coup, j'ai rajouté. Bah après, c'est relativement intuitif. En croisant les doigts pour qu'elle ne s'arrête pas à la moitié. Qu'est-ce que j'ai entendu, parce qu'à chaque fois je lui disais, tu crois que si je rajoute tel rang, tu crois. Alors j'avoue que les derniers rangs, j'ai défait plusieurs fois. Ouais, alors tu sais ce que tu aurais pu faire, enfin moi je crois qu'une fois ça m'est arrivé. Avant de faire le rang, tu pèses la laine qui reste. Mais j'avais pas, donc, tu fais, tu mesures, tu repèses. Une fois que tu as fait ton rang et tu regardes ce qui te reste pour voir. J'y ai pensé, après le problème c'est que du coup comme on était dans le combi, j'avais pas de balance, ça supposait sinon attendre le retour de vacances pour le finir à la maison et je ne voulais pas. Du coup, tu l'as mis en vacances. Donc, la dernière soirée à Charroux. Ouais, on est allé au restaurant avec mon châle. Alors, il n'y avait pas besoin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu le mettais quand même. Je l'ai mis quand même. Donc voilà, donc mon ouvrage, mon gros ouvrage en crochet. Ça, j'ai vraiment aimé. Tu l'avais bien avancé avant de partir en vacances parce que je l'avais vu, mais pas monté. Ben celui-ci, je l'ai fini juste avant de partir. Et ça, tu l'as monté. Et ça, 100% vacances. Super. Et donc en crochet, t'as fait autre chose. Et au crochet, j'ai fait autre chose parce que on a des amis qui ont vu leur foyer s'agrandir avec une petite Eleanor.
qui est née le 11 juillet. Donc j'étais tout pile en vacances et moi j'ai horreur, c'est de commencer les choses avant que le bébé naisse. C'est comme ça. Enfin, t'attends qu'il naisse. Je n'aime pas. Tu savais faire le prénom, bah oui, après tu peux t'adapter. Non, je connaissais pas le prénom, je savais juste que c'était une fille. Donc le 11 juillet, quand elle a accouché, on est allé sur le marché de Murol en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Et il y avait une mercière qui vendait des petites laines et tout ça, donc j'en ai profité pour acheter des cotons. Et tu l'as fait là-bas Et je l'ai commencé à la fin des vacances, juste après mon châle. Donc on va plus dire que c'était à la maison, mais je l'ai quand même commencé. Donc la laine a été achetée en vacances, donc c'est du coton Rico Rumi. Et je sais que ses parents, dans la chambre, lui ont mis des petits dinosaures. Je me suis dit, j'avais sondé, hein, je lui avais demandé. Et donc voilà, je lui ai fait un petit hocher dinosaure. Voilà. Avec le petit museau qui se démarque bien. Hein. Il est vraiment mignon. Alors normalement, il y a des yeux de sécurité. Moi, pour les bébés, j'aime pas trop. Si on veut leur laisser en tranquillité. Enfin, bon, du coup, je les ai brodés. Au moins, je suis plus sûre. J'ai la conscience plus tranquille, on va dire. Qu'est-ce que je peux dire? Que du coup, j'ai pas. Donc, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Hobby. Ouais. Du coup, tu savais les couleurs qu'il te fallait? Savais pas. J'étais mais comment t'as choisi tes couleurs alors? Sur le marché et en fait, j'ai tapé sur mon téléphone tuto crochet dinosaure hochet. Et je suis tombée sur ce patron là qui m'a plu tout de suite. Et j'ai eu de la chance, qui était gratuit. Enfin voilà, il y a tout qui correspondait. Donc on a choisi les couleurs à ce moment là. Alors j'ai choisi des couleurs un peu peps parce que je sais que la copine elle aime bien. Enfin, les enfants aiment bien tout ce qui est visuel. Donc je lui ai fait ce petit hocher. Et je lui ai fait. Alors là, il manque la couture, donc la tête elle s'en va. Mais je lui ai fait la même chose, un petit peu comme j'avais fait pour Jedane avec les petits lapins. Donc je lui ai fait le petit combo hochet doudou. Ouais. Donc là, il y a pareil, alors avec les couleurs un peu switchées. Un petit Minky et puis une double gaze de l'autre côté. C'est ça. Et sur le petit Minky, bien sûr. La petite broderie. Super. Avec son prénom. Son doudou ne pourra pas se perdre à la crèche royale. C'est ça. Sera qui il est. Et puis j'ai trouvé ça sympa en fait d'alterner les couleurs. J'avais pas vu. Ouais, c'est les mêmes couleurs, mais Tu as le frère et la sœur. Voilà, c'est ça. T'auras le doudou. Donc voilà le petit combo. Ouais. Ce que je peux noter, c'est que par contre le patron est peut-être un peu grand. Moi, je l'ai crocheté en c'est crochet peut-être parce que t'avais le fil en fait. Parce que le fil se crochette en 3. Ouais. Mais du coup, eux, le patron, il préconisait en 2,5. Et en effet, je pense que ça aurait été pas mal. Bon, c'est pas mais gênant, bon, on voit pas ta mousse. Non, mais en fait, la tête est un peu grosse, tu vois, ça fait un gros hochet par rapport à un petit hochet de bébé. Bon, moi, après, ça me perturbe pas les bébés des masses, mais voilà. Les bébés grandissent. Il faut le savoir, c'est que ça fait une bonne tête de dino quand même. Zut. Oui, c'est pas grave, il est pas cousu, il faut que... Mais j'ai décapité. Ça, c'est le titre de l'épisode, si on voit. C'est ça, la décapitation. On a décapité le dino. Eh bien, écoute, on mettra ça. Je suis sûre qu'on va avoir plein de monde. Super. Donc voilà, mais t'as bien bossé. Mes projets crochets. Et c'est tout, mais je pense que c'est quand même pas mal. Oui, on est quand même bien. Là. Et puis bon, t'as profité aussi de tes vacances à faire autre chose. Il faisait quand même fort chaud. Donc j'avoue, c'est aussi pour ça que j'ai pu crocheter pas mal. Ouais. Mais non, on a bien profité. C'était bien. Je vous en raconterai plus dans le blabla. Ah oui, parce qu'elle a un gros blabla après. Alors moi, en projet terminé. Donc vous aviez vu au dernier podcast, ce que je tricotais, c'était un châle qui venait de ce livre-là. Châle étole ajourée avec de la laine Rowan. D'ailleurs, tu as donné envie à certaines personnes. Ah bon? Et dans les commentaires, il y a une personne qui a acheté le livre. C'est vrai? On fait un petit mine. Ah oui, oui. Espère qu'on verra les réalisations bientôt. Voilà. Alors, oui, un petit aparté. Merci pour tous les commentaires que vous avez fait. Hein. C'est très gentil. On débute sans connaître trop personne. Et c'est toujours gratifiant d'avoir des petits mots d'encouragement ou de simplement nous dire que vous avez passé un moment à nous regarder, à rire avec nous, pas à rire avec nous, à prendre des choses et des combines. Enfin, bref. Donc, voilà le châle. C'est un châle un peu triangulaire. Donc, il se décline avec 6 couleurs. 2, 3, celle-là qui est un peu peps, 3, 4 et 5. Voilà. Et moi, j'ai fait aussi une coquille. On ne la voit pas comme ça, mais je vais quand même vous la montrer. J'ai un motif de dentelle, si je la retrouve. Il faut qu'il soit à plat. Donc, j'ai un motif de dentelle, il est là. Voilà, ici, là. Tu vois, je suis Il faut le savoir. Sur celle-là, là, dans le coloris peps, ma dentelle n'est pas droite.
alors qu'ailleurs ouais, elle est droite. Voilà. Portée, bon. Ça se verra pas. Enfin, voilà. Alors j'ai pas ouais, pu le mettre. Hein. Je l'avais pris en vacances. Ah, oui. Hein. Oh, je l'avais pris en vacances. Je m'étais dit, oh, les soirs devant la terrasse. Ben non. Non, j'ai pas pu. On était en Bourgogne, dans le sud de la Bourgogne. Et non, c'était horrible. Peut-être oh, encore un été indien qu'on avait la piscine pour nous. Ouais. Pour se rafraîchir. Donc ça a été terminé avant de partir en vacances. Et puis j'avais eu une commande de marinière pour mes petites filles. Alors là j'ai quelque chose à vous montrer. Tu nous avais présenté le fil la dernière fois. Voilà, oui, le fil mondial, c'est ça. Qui n'est pas le mondial tissu, c'est une marque italienne. C'était le Merino Extra, 5,50 € les plots de 100 grammes chez les ouais. Ciseaux Magiques. Donc j'avais ces deux couleurs-là donc à faire en marinière et j'ai donc fait les deux modèles. Donc le modèle pour Marielle, donc une taille 10 ans, voilà. Et le modèle pour Juline en taille 6 ans. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Alors le modèle en 10 ans, il a été terminé là-bas en vacances, j'avais mes petites filles avec moi. Et alors j'étais hyper contente de les avoir avec moi parce que j'ai pu mesurer la taille des manches. Parce qu'en général, je fais toujours les manches trop grandes. Donc là, j'ai fait la taille des manches. Sa sœur qui était derrière, je lui dis, viens, enfile le pull à Marielle. Juline, donc je savais qu'il fallait que je lui fasse des deux rayures en moins. Et puis voilà quoi. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai fait une erreur sans le savoir, hein, sinon je me serais corrigée avant. J'ai donc tricoté en rond. Lorsqu'on tricote des couleurs en rond, ça fait un effet escargot. C'est-à-dire qu'on n'a pas les rayures qui sont bien jointives. On a une rayure qui démarre là, et puis l'autre qui vient, quand on vient boucler le tour, elle va se retrouver ici. Donc quand on change de couleur, on a un escalier en fait. Donc il y a plusieurs méthodes. Je suis allée voir sur YouTube, j'en ai vu deux. Une où on coupait les fils. Je me suis dit, non, je n'ai pas coupé les fils. Une autre où on ne coupait pas les fils. Et la méthode que j'ai adoptée, c'est celle où, lorsque je change ma couleur de fil, je glisse sur mon aiguille de droite la couleur. Par exemple, si je saute du blanc au moutarde, la première maille, je la glisse, la blanche, je la glisse, et je couds ma deuxième, et je tricote ma deuxième à l'endroit. Hein, je fais mes trois tours, parce que là, j'ai fait 6 et 3. 6 blancs et 3. Et puis quand j'arrive à mon deuxième tour de moutarde, et ben là je tricote ma maille que j'avais glissée et je continue. Ce qui fait qu'au total, j'ai un endroit où j'ai que deux mailles. Et en jouant sur la tension du fil, ben on a une maille qu'on va faire un peu plus haute pour qu'elle récupère le rang qu'on n'a pas fait. Alors j'ai voulu, quand j'ai fait mes marinières, commencer mes rayures avant la fin du raglan. Ce qui fait que j'ai fait ma démarcation ici, à cet endroit-là. Et donc, du coup, derrière, bah, ça fait ça. Donc, on voit quand même. Hein. On voit ici ma démarcation que j'ai faite. Oui, d'accord. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, je m'en suis aperçue, bien sûr. Je me suis dit, oh, ça va s'arranger. Hein. C'est parce que je n'ai pas bien tendu, tout ça. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais dans mon rang, bah, je me rendais compte que voilà, c'est quand même visible. Hein. Alors, voilà, c'est visible derrière. Bon, c'est ballot que je ne l'ai pas retrouvé ici. Bon, bah, donc, du coup... Le pull de Juline, le devant, le derrière. Ouais. Et du coup, bah, en fait, ma jonction, elle est sur les côtés et on la verra moins. Quoi. Oui, d'accord. Voilà, oui, tu vois. Voilà. Donc, en fonction, voilà mes jonctions. Bon. Ça, c'est une erreur. Donc, surtout, alors, je me suis débrouillée pour... quand j'ai fait mes jonctions, là, je me suis débrouillée pour décaler à chaque fois ma maille glissée et la retrouver toujours au milieu, quoi. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, c'est donc le modèle de Cozy Sweater de Longue avec Anna, donc, où il y a des poches que je n'ai pas faites, bien sûr. Et puis, par contre, j'ai fait des rangs raccourcis derrière pour que le pull soit plus haut devant que derrière, parce que dans le pull d'origine, les encolures sont pareilles devant et derrière. On reconnaît le devant à cause des poches. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était les deux pulls que j'ai tricotés. Donc celui de Marielle, il a été commencé ici, mais terminé en Bourgogne. Et puis, donc en 15 jours. Et puis celui de... Non, je l'ai terminé en rentrant. Et celui de Marielle, voilà. Et du coup, bah, sur mes... J'ai fait... Ah oui, alors je note toujours sur mes fiches, bien sûr, quand j'ai commencé les pulls le 21 juin... Et j'ai terminé les deux le 2 août. Voilà. Ah oui, en effet. Ouais. Celui de Marielle a été terminé le 13, où il a été terminé en Bourgogne.
Et puis, suite Juline, il a mis à peu près un peu plus de 15 jours. Et celui de Marielle, un peu plus de 15 jours aussi. D'accord. Ouais, ouais. Voilà. Mais bon, avec les vacances, en plus il faisait chaud, donc t'avais peut-être ouais, pas envie ouais, forcément ouais. De... Alors j'ai utilisé, donc pour les deux pulls, j'ai utilisé au total 4 pelotes blanches et 76 grammes d'une autre, donc 4,5 on va dire, et puis 2 moutardes et 34 grammes. En fait, j'ai pas mal de moutardes hein, quand même. Oui, ouais, ouais. Ouais, mine de rien, oui. Ouais. Voilà. Donc voilà pour les objets tricotés terminés. Et puis toi, en terminé. Moi, c'est bon. En terminé aussi. Et ben alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et ben les ouvrages en cours. Allez, on passe aux en cours. Allez, on passe aux en cours. Donc maintenant, ouvrages en cours. Alors allez. Moi, en cours, je n'ai que du tricot. Et ben moi aussi. Parce souvent, que quand on revient de vacances, voilà. Puis moi, il faut toujours que j'ai un petit truc à tricoter devant la télé, sinon je dors. Ouais. Et un petit truc à tricoter en voiture quand on fait des grands trajets. Donc voilà, j'ai fait des grands trajets, j'ai ramené mes petites filles en Allemagne, donc j'ai fait mon petit ouvrage qui, vous allez voir, est des chaussettes. Et puis j'ai commencé un pull, je ouais, vais démarrer. Ouais, vas-y. Donc je fais l'after beach. Alors en fait, j'ai regardé des podcasts en vacances tous les soirs quand mes petites filles montaient se coucher, je montais me coucher avec elles, enfin dans une autre chambre bien sûr, et je me regardais des podcasts. Et alors là, les podcasts tricot, mais... Les tops d'été. Oui, il y en a eu plein. Ça vous donne envie. Donc j'ai tout. Ben, je crois que j'ai commandé la laine de là-bas, que j'ai reçue assez rapidement quand on est rentré en fait. Et je me suis lancée sur celui-ci, donc le top qui est plutôt avec des manches un peu kimono quoi. Hein. Ouais. Une petite goutte d'eau dans le dos. Et du coup j'ai pris. Alors j'ai pas pris la laine qu'elle préconise parce qu'elle préconise une laine. Qu'est-ce qu'elle met comme modèle de comme laine? Je ne me rappelle plus. Un fil fingering. Bon, après, j'ai été voir sur sa fiche Ravelry les fils suggérés. Ça, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Et j'ai vu que quelqu'un avait suggéré le Sandness. Le Sandness. Alors, attendez voir. Il fait très clair. Le bon, Sandness Garn. Ça n'arrive pas à faire le zoom. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est trop clair. Bon, le Sandness Garn. Le Mandarina Petit. C'est un 100% coton, à 4,50€ la pelote sur le site des ciseaux magiques. Je pense que j'ai pris trop de pelotes. Hein. Ah. Ouais, je pense qu'avec 4-5 et j'en ai commandé 8. Ah oui, en effet. Bon, ça terminera par des petits tops à mes petites filles. Oui. Et du coup, bah voilà ce que je commence. Enfin, j'ai commencé hier soir. Ah, j'ai fait un échantillon. Alors, j'ai fait un échantillon... avec des aiguilles, je suis descend. En fait, il faut les tricoter. Elle demande, elle tricote en 3,5. Moi, souvent, je descends en aiguille. Donc, j'ai pris du 3. Et en réalité, pour avoir l'échantillon, il a fallu que je descende en 2,5. Donc, je tricote en 2,5. J'ai fait l'échantillon en rond parce que je me suis fait avoir sur des échantillons. Donc, quand je fais des échantillons en rond, bah, je laisse un bout de des bouts en rond, quoi. Hein, je vais retourner ouais, voilà. Et là j'ai mes mesures il me faut à peu près 26 mailles et du coup j'ai mis mes aiguilles voilà 26 mailles voilà j'ai mis mes aiguilles mes 10 et mes 6 et puis j'ai mes 10 cm voilà. Donc je tricote en 2,5 donc je vous raconte pas la marque de jersey que ça va me faire. Ben oui, donc c'est un pull qu'on commence par le dos. Donc, elle nous demande de commencer par le dos droit. Donc là, on a une petite goutte qui ferme avec un petit lien. Elle nous dit de mettre un marqueur ici. Ça va être donc ça va être notre encolure. Et là, je vais descendre jusque sous les emmanchures. Je vais commencer d'ailleurs des diminutions dans 10 cm, je crois. Donc là, on fait des rangs raccourcis pour faire l'épaule en biais, là. Hein ouais. Et puis voilà, ça a l'air d'être. Et je trouve qu'il va être souple, tu vois. Ouais, 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 voilà. J'adore ces matières-là. C'est un coton souple. Voilà, c'est un coton très souple. Il a de la bonne fluidité. Dans l'autre échantillon que j'ai fait, que j'avais démonté, hein, où j'avais tricoté en trois, j'avais fait un plus grand échantillon et vraiment, ça faisait un tissu très souple. Ouais, ça doit être super sympa. Ça, c'est l'After Beach, que j'espère terminer. Bon, j'espère qu'en septembre, je pourrai le mettre. Il fera encore beau, ouais. Donc, voilà. Et puis, pour les en cours, ça va. C'est une paire de chaussettes. Donc, alors moi, j'avais acheté ce livre-là, qui a le même titre que le livre très connu, Tricoter ses chaussettes. Celui-là, c'est aussi Tricoter ses chaussettes, qui est paru chez Erol.
Il y a 22 patrons, 20 patrons. C'est des chaussettes qui commencent par le, toujours par la pointe. D'accord. Hein, et puis qui sont pas forcément taureillantes. C'est des chaussettes avec des motifs. Voilà. Et donc elles se tricotent souvent avec. Donc il y a trois modèles de talons qui sont expliqués. Et puis on fait des modèles souvent avec de la dentelle. Ah voilà. Oui, c'est vrai, ouais, c'est voilà. Pas mal. Donc oui, là, je fais celui-ci. Donc, c'est les chaussettes Van Dyck qui se tricotent. Alors, parce que j'avais, voilà, donc j'ai juste de la dentelle sur le devant et le dos. Et donc, voilà, là, j'en suis au pied. Voilà. Alors, j'avais une grosse laine. C'était une laine de chez Hobby, Happy Fit. Donc, qui fait 23 points ou 10 cm. Et donc j'ai recalculé un peu, j'ai calculé un peu pour déterminer le nombre de mailles. En fait, je fais la taille S, d'accord, mais qui n'est pas forcément, voilà, parce que j'ai adapté ma laine. Et donc bah voilà, ça va faire ça en fait. Voilà, ça va faire ça. Oui. Et donc bah j'ai la pointe. Alors moi je monte mes chaussettes ensemble en fait. La pointe est faite ici et là j'ai préparé la pointe. La pointe est faite aussi là-dessus. Voilà, j'ai ma pointe. Quand j'arriverai au talon d'ici, je ferai mon pied. Et après, je fais mon talon, je fais mon talon, je fais ma tige, je fais ma tige. Voilà, ouais, je monte comme ça, ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Au moins, tu as ta paire qui monte au fur et à mesure et tu n'es pas obligé de. Ouais, tu n'as pas le syndrome de la. Voilà, de la deuxième. Et je me rappelle les diminutions que j'ai faites. Ouais, c'est ça. Alors là, je suis les explications du livre, mais quand je fais des autorayantes, je m'adapte un petit peu. Je dis, oh, bah, ouais, je fais un talon à gousset, mais bon, là, je vais faire 8 mailles au début pour commencer ma pointe. Enfin, voilà, je fais comme ça. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, c'est terminé pour moi. Ok. Eh ben, et moi, toi, vas-y, raconte donc. Moi, j'ai raconte qu'un projet donc tout en ce que cours, tu as là. Parce que. Alors, oui, on fera dans le blabla après, vous oui, comprendrez pourquoi. Mais en fait, là, je suis partie, moi, plus sur les projets d'hiver, du coup. Les petits tops d'été, ça me tentait vraiment bien. Puis tu t'en es déjà fait, hein. Et ouais, et je me suis dit, en fait, il y a le top baigneuse qui me plaisait de l'atelier Émilie. Ouais. J'ai même vu cet été de la laine pour pouvoir le faire. Et je me suis dit, au mois d'août, je vais avoir envie de faire autre chose. Je vais peut-être pas avoir forcément le temps de faire un projet. T'as surtout ramené de la belle laine d'hiver, quoi. Et du coup, voilà. Donc, je suis partie sur les projets d'hiver. Je me suis dit, les petits tops d'été, c'est pas grave. Ça sera à partir de mars l'année prochaine pour me faire une nouvelle collection. Et là, je suis partie sur automne-hiver. Bah oui. Non. Alors, faut savoir qu'elle est allée en vacances dans le Massif Central. Ouais. Donc, vous imaginez bien chez qui elle a été. Oui. Qui elle a rencontré. Mais il y a beaucoup d'élevage là-bas. Oh là là. J'ai fait tout un tas. Alors, du coup, pour l'instant, je me suis dit que j'allais faire un projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps. C'est Emma de Tricot Libri qui en parlait dans un de ses premiers podcasts. Et j'avais bien repéré ce pull-là. C'est le pull rug de Junko Okamoto. Donc, je vous le montre. Alors, moi, c'est en noir et blanc. Mais dans l'esprit, c'est moi je me suis dit c'est un pull, tu sais, un quand, peu scandinave, norvégien, voilà, le pull de dos, le pull rando, le que pull, t'as envie de rester le dehors, pull cocooning, tu le mets par dessus, voilà. Le gros pull avec des emmanchures assez larges comme ça, s'il y a des couches en dessous, c'est pas grave, ouais, ça passe, ouais. Et un peu rustique. Donc j'avais acheté la laine du le petit grain de Saint-Valéry sur Somme. Ouais. En face de Crotoy, avec les moutons qui sont dans la c'est baie. C'est ça, qui sont dans la baie de Somme. Et ouais. Et du coup, j'ai commencé mon ouvrage. Alors par contre, c'est ce que je montrais à Maria, je le trouve un petit peu déjaugé. Alors pourtant, c'est le bon échantillon. Mais je suis pas sûre de continuer comme ça. Donc est-ce que tu as la dimension des essais? Est-ce que tu as la dimension du tour? Parce que oui, des fois l'échantillon peut être bon, mais quand on additionne toutes les mailles, on peut avoir quelques centimètres. Des fois, c'est bien quand on a les dimensions. Oui, je l'ai. Il y a tout qui est marqué dessus. C'est vrai qu'il est pas mal, le patron. Alors, en anglais. Hein. Moi, je me suis lancée dans l'anglais. Ah, super. Oui, parce que ça faisait un moment que ça me trottait. Non, mais il y a tellement de choix. De toute façon, il est que en anglais. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Au bout d'un moment, je me lance. Oui, rigolé hier soir. Hein, parce que pour retrouver, j'en étais qu'au... En fait, il faut que tu fasses un lexique, non? Mais même, il y en a un au début. Après, une fois qu'on a compris, et c'est vrai que Emma le disait dans son podcast, une fois qu'on a compris, le cerveau, c'est même plus facile qu'en français. En français, parce que les expressions sont plus courtes, en fait. Et hein. Je ne doutais pas de ce qu'elle disait, mais là, pour le coup, c'est avéré. Enfin, vu que j'ai testé, je m'en suis rendu compte par moi-même. C'est très court, c'est que des abréviations. Ouais, donc, en fait, une fois que le cerveau
s'est mis en tête que cette abréviation-là correspondait à telle et telle pratique. Ouais. Du coup, ça se fait assez rapidement. Donc là, oui, j'ai toutes les dimensions. Et tu sais que là, tu commences par le haut. Mais là, en fait, et là, le j'ai essayé la le tête. Le A, tu as combien? 56 cm. Mais quand je l'enfile par la tête, ça me va bien. Et plus court, ça serait trop court. Donc je ne sais pas. Je pense que je vais le redémonter et peut-être le tricoter. Il est quand même assez déjaugé. Hein. C'est ça. Si quelqu'un connaît cette laine-là ou a une idée de ce que peut... Ou a déjà fait qu'est-ce qu'il faut faire parce que là, du coup, après, il y a du jacquard. Ouais, j'ai jamais fait. Et là, le jacquard, tu vas avoir des fils derrière et qui vont se voir. On va voir les fils, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Alors, du coup, c'est bon, je pense que je pense que je vais le refaire de toute façon. Enfin, j'ai passé qu'une soirée et une grosse soirée à essayer de comprendre les abréviations. Ouais. Donc maintenant que je les ai comprises, ça va pas me gêner de d'aiguille de et encore. Ben non, parce que sinon l'échantillon sera trop petit. Donc il faut que je double. J'avais testé au mois de février déjà quand j'avais acheté la laine et c'était doublé, mais en fait doublé ça me perturbe parce que pour le coup ça va être vraiment un gros pull. Combien t'as besoin de grammes là ou de mètres? Je ne sais plus, est-ce que c'était marqué? Il y a la couleur principale, mais il faut que je retrouve par rapport à la laine qu'elle préconise. Parce que j'en ai de la laine comme ça. J'ai un stock aussi. Qu'elle préconise. Enfin, voilà. Bon. Donc, moi, je pense, essaye. Je verrai. Ouais. Et après, je voulais vous parler parce que justement, il y a le dessin. Du jacquard qui me plaît bien, hein. Il me plaît pas mal, mais je me demandais si j'allais pas le changer parce que les parents de la petite Eleanor qui vient de naître m'avaient offert l'année dernière à Noël ce très beau livre, le jacquard au tricot. Oui, je l'ai vu à la médiathèque. Esprit 70. Ouais, je l'ai vu en librairie. C'est tout moi. Hein. Ouais. Et en fait, il y a des beaux motifs à la fin, il y a des beaux jacquards. Que tu peux adapter avec n'importe quelle laine. Que je pourrais adapter. D'ailleurs, le livre est très bien fait et je me ferai un... Alors, ton jacquard, il est... Il faut que tu fasses attention avec les augmentations. Il n'y a pas d'augmentation dans la partie du jacquard. Ah, super. Non, j'ai regardé, j'ai étudié le truc. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai passé plus de temps à étudier le patron qu'à faire. Finalement, si je le démonte, ce ne sera pas bien grave. Moi, j'y presque prends des 4,5. Ouais. Et après, regarde, fais un prorata avec les tailles et tu fais la taille du en dessus. En 5,5 pour faire comme elle, mais en double. Hein. Je vais être obligée, je pense, si je veux avoir le bon échantillon. Je te dis, j'en ai de la laine comme ça. Ok. Je passerai mes trucs parce que je sais pas si j'en ferai. Et puis j'en ai ramené de l'atelier Pure Laine qui est... Ah bah oui, qu'elle t'as bien vu comment... Voilà. Bon, on verra. La suite au prochain épisode. Voilà. Donc pour les encours. Les encours, très bien. Donc on passe on va passer blabla. Au blabla. Allez, blabla. Non, j'ai pas plus de blabla que ça. On vous reparlera peut-être en septembre d'un projet qu'on a avec Violaine de lancer des tricotés sur Reims, puisqu'on est toutes les deux, on habite toutes les deux à Reims. Et donc, on a une bonne piste sur un lieu qui n'est pas un bar, qui n'est pas un restaurant, qui nous mettra à l'abri. Qui est associatif quand même. Qui est associatif, enfin, voilà. Coup, c'est pas une maison de quartier, c'est pas. Associatif et culturel. C'est ça, voilà. Donc, t'as une bonne idée là et je pense que. Et ils sont partants pour nous accueillir tous les samedis après-midi. Donc, je trouve que c'est bien. Il y a un parking non payant pas loin, c'est presque dans le centre-ville, mais il y a un parking non payant pas loin, sauf les. Voilà, on verra. Mais on vous en reparlera quand on en saura un petit peu plus. À la rentrée, on doit les retrouver. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Voilà. Donc, blabla pour toi, alors. Allez, blabla. Alors, moi, pour ce que je vois de blabla, c'est qu'elle a ramené. J'ai ramené un cabas. De toute façon, Marielle m'a vu débarquer tout à l'heure. Après, je déménageais mon atelier. Ouais. Alors, raconte-nous. Tu as fait des belles rencontres pendant les vacances. Oui, j'ai fait plein de belles rencontres. On avait dit avec Jessie, et c'est souvent comme ça de toute façon, on avait dit on va dans un coin, on croisera personne parce que on n'a pas envie de croiser trop de monde, on a envie d'être au calme. Bon, c'est toujours ces vacances-là où on rencontre le plus de monde et on fait les meilleures rencontres. Parce que tu es plus en affinité avec ce genre de vacances. Et puis, souvent, on est dans des lieux un peu plus, je vais pas dire un peu plus sauvage, mais un peu plus ressourçant, où les gens qui y vont ont cette même envie que nous aussi. Oui, de la nature, t'es pas dans les chichis de la côte ou c'est ça, c'est pas du tout la même ambiance, un peu trop urbaine. Ouais.
Voilà. Oui. Donc c'est des vraies rencontres. Non, c'était vraiment très bien. Donc à la base, on avait décidé d'aller en Auvergne parce qu'il y avait le festival de la laine à Sauxilange le 16 et 17 juillet. Et je vous avoue, tout le périple s'est fait autour de ce festival. Et d'ailleurs, même l'après s'est fait par rapport à ce festival. Parce que tu avais des adresses. Parce qu'on a eu des adresses. On nous a dit qu'il fallait absolument, si on n'était pas très loin, profiter de certaines choses. Tu as dû avoir des adresses que tu n'aurais pas eu autrement. C'est ça. Donc du coup, on a fait le festival. Donc tu les partageras en fin de... Oui, je vous partagerai vraiment toutes les belles détails. Rencontres que j'ai faites. Il n'y a pas de souci. Donc le festival de Sauxilange, nous on y est allés les 2 jours. On est arrivés le vendredi soir pour être sûr de ne pas en louper. On voulait aller au camping de Sauxilange, camping qui a fermé malheureusement. Oh. Et c'est donc, vraiment du coup, dommage. Tu as été mettre ton van où? Alors juste en face. Il y avait une grande étendue d'herbe. Apparemment, la commune autorise les pendant vannes. Pendant le festival Même en temps normal, en fait, pour que les gens puissent quand même s'arrêter dans la commune, parce qu'il n'y a plus rien pour les campeurs. Hein. Pour les itinérants, il n'y a plus rien. Ouais. Donc, on s'est posé là. Il y avait déjà un camion qui était installé. Donc, les gens étaient dehors en train de lire avec un petit chien. Moi, je leur ai demandé si ça les gênait pas. Toi, tu y es allée avec ta chienne aussi. Oui, c'est ça. Donc, du coup, je leur ai demandé si ça les gênait pas, si on pouvait se stationner à côté d'eux, parce que finalement, on était... assez proche mine de rien, au fond il y avait des ruches donc on n'avait pas vraiment envie de s'y installer, c'était au soleil aussi, il faisait très chaud donc on voulait de l'ombre, l'ombre qu'il y avait était assez proche d'eux, donc je leur ai demandé si ça les gênait pas parce qu'on allait au festival de laine. Et là, la fille me dit, mais non, moi ça me gêne pas, j'y vais aussi. Oh là là, là catastrophe. Rencontre de tricoteuse. Oh ben j'imagine. Oh ben là, les hommes étaient perdus là. Je lui dis, ah bon? Je dis, vous êtes une passionnée aussi. Non, je suis exposante. Oh génial. Oh ben je dis encore mieux. Et elle me dit, non, elle dit, je fais des fuseaux. Elle dit, c'est moi qui les fabrique. C'est et comme donc, ça. Je vends des nappes de laine. Oh là là, mon Dieu. Alors, dans oui, elle ma tête, en belle, je me suis dit, elle en a une belle. Oui, non, mais le filage, moi, c'est pas mon truc. Tu m'avais déjà montré, j'étais hypnotisée quand tu en faisais, mais c'était pas mon truc premier. Je m'étais dit, ça sera pour plus tard, mais pour l'instant, le filage, non. La nuit a passé, la soirée a passé, on a discuté un petit peu, voilà. Le lendemain, je l'ai retrouvée sur le festival, stand. Où j'ai vu les magnifiques fuseaux qu'elle faisait elle-même. Et puis les démonstrations, et puis la laine, et elle, du coup, utilisait son fuseau et faisait, enfin, filer la laine au fur et à mesure du festival. Parce que on peut faire sans voilà, temps. Voilà, c'est ça, tout le monde filait, tout le monde tricotait. Alors déjà, l'ambiance de ce festival, c'était juste... magnifique, enfin, moi j'ai adoré, c'était mon premier festival. Bah oui, de laine. Je crois qu'il y a toujours le premier, mais oui, oui. Donc, avec des gens qui filent et puis des produits autres que voilà, des échevaux, des laines. En fait, il y avait des choses différentes. Ouais. J'ai retrouvé la Madeleine. C'est ça, oui, c'est ça. La Madeleine que Tricolibri en parle souvent dans ses podcasts parce qu'ils sont de Bordeaux. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer. J'ai essayé à parler pendant une heure avec eux. Moi j'ai parlé pendant une heure aussi avec la dame. Pour choisir mes écheveaux, donc bah forcément j'ai craqué. Donc c'est de la fingerine Merino Super Wash. Donc comme en rail. Comment ils sont vraiment beaux ces écheveux. Faire le poule. Donc on a parlé vraiment de choses et d'autres. Faut pas aller trop loin. C'était vraiment sympa. Ouais. Elle est belle. Hein. Après, un on a rose poudré foncé, enfin. Ouais, bah corail, ils disent. Corail. Ouais, peut-être corail. Ouais. Donc du coup j'étais super contente de les voir et Jessie qui leur dit ah oui ben elle vous connaît par Tricolibri alors ah oui Emma de Tricolibri donc on était partis. Donc ça c'était mon premier achat et on arrivait seulement T'as pris sur une quantité le festival. Pull. Ouais j'ai pris une quantité de pulls. Oui. Chevaux. Pour me faire un petit pull sympa pour l'hiver. Je vous laisse deviner que j'ai toujours pas trouvé le modèle. Non mais ça va pas tarder. Pareil. Il y en a tellement. Mais en fait il faut que je me mette sur le choix du modèle. C'est ça. Donc j'ai trouvé, donc j'ai rencontré la Madeleine. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? On a rencontré une autre laine rustique où j'ai acheté ces 2 belles pelotes pour faire mon jacquard justement de mon pull rug. D'accord, ah bah c'est très joli parce que c'est j'aimais bien. C'est un dégradé, alors ça c'est pas un jaune. Vous n'avez pas les bonnes couleurs. Là peut-être plus. Il faut que je crois quand fait. On recule, ouais, ça ressemble plus comme ça. Donc un peu un jaune et puis l'autre un vert olive un peu. Ça ouais, fait un ça vert olive, ouais. Donc j'ai craqué pour ces 2 belles pelotes de laine. Pareil, toujours des belles rencontres où on discute avec les gens. C'est vraiment une ambiance familiale. Je pense qu'il y a essentiellement des... Les moutons sont race Lacone. Oui. Et des brebis élevées en bio. Je ne sais plus, est-ce que je vais avoir... En race Lacone, Grivette et Mérinos.
J'avais je dois l'avoir quelque part. Je vous mettrai de toute façon le nom de l'éleveuse. Ouais, 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 ouais. Elle n'a pas de Facebook, pas d'Instagram, elle n'est pas du tout réseaux sociaux, on peut la contacter uniquement par... C'est la GAEC de Montravel. Par mail. Bertrand, Blandine et Yves, paysans à Saint-Genest-Malifu. Voilà. Je vous mettrai en... C'est vrai que la laine rustique, bon, il y a quand même une différence. Hein. La laine rustique, oui. C'est dans le retors. Ben, je sais pas, parce que même dans la... Ouais. Là, vous on n'a pas envie de faire, on n'a pas envie de faire la même chose avec une laine rustique avec une... Ah non, c'est vrai. Une laine plus travaillée. Et là, c'est ben, bien sûr, il y a la grosseur qui joue, mais dans la... C'est pas pareil. Hein. Non. Ouais. Après, du coup, on a rencontré des personnes qui faisaient de la laine feutrée. C'était magnifique. Alors, j'ai pas acheté sur chaque stand parce que je pouvais pas. Ouais. Mais il y avait vraiment des réalisations en laine feutrée qui était magnifique. Alors, pour les gens de Reims ou des environs, il va y avoir des stages de feutrage pour faire en volume des animaux, des choses comme ça, en septembre, octobre, novembre, décembre, des jeudis après-midi à Gueux. D'accord. Voilà. Ah, bah, tu vois, c'est moi qui ai fait ça. Je te donnerai les dates. Oui, oui, oui. Tu pourras les mettre. Ouais, c'est Marianne qui est la personne qui m'a appris à filer et donc qui va donner ces cours-là parce qu'elle est vraiment... c'est une artisane qui s'y connaît vraiment beaucoup en laine. Enfin, moi, j'adore quand elle me parle de la laine. Et elle va faire des stages. Ouais, je lui avais demandé quand est-ce qu'elle ferait un stage. Ça m'aurait intéressé. Donc là, j'ai des dates. D'accord. Bah oui, comme ça, on les intégrera dans la description. Vous aurez tout. Voilà. Donc du feutrage. Donc, voilà. Alors j'ai acheté des petites différentes. Alors j'en ai acheté plein pour en acheter. Je les ai perdues en cours de route. Enfin, il y a plein de couleurs, des toutes petites quantités. Quand, oui, comme ça, je peux pas faire besoin de choses. Ouais. Et puis je veux pas faire des grandes créations non plus. C'est juste comme ça en plus. L'avoir sous la main quand tu auras trouvé le modèle et voilà. Faire. C'est ça. Mmh. C'est ça. Ouais. Après, il y avait un monsieur donc, qui tournait les moutons, qui nous expliquait le métier. Donc on voyait vraiment la toison. Ouais. On a pu la toucher, je ne savais pas que c'était si gras que ça. Ah mais si, mais ça m'a... J'ai eu la chance de faire la tonte chez Frédéric Turgot qui a l'atelier Pure Laine. Et donc on était à peu près une trentaine, on avait trois tables de tri, ils nous amenaient la toison, on ouvrait la toison. Et là il fallait trier. Voilà. Et à la fin, on avait les mains, mais c'est du soin. Oui, c'est comme de la lanoline en fait. Voilà. De toute façon, on a eu des mains douces. Ouais. C'est magnifique. Je pense. Je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Ah si. Enfin, voilà, on n'est pas désagréable du tout. Hein. Et donc, pour finir quand même sur Sauxilange, parce que sinon... On va y passer, le temps passe. Hein. Ça va faire un gros podcast. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas vous ennuyer. Vous avez intérêt à prendre un tricot et un café ou un thé pour patienter. Donc le dimanche, on a refait un tour, on a revu notre voisine au fuseau, et là en fait j'ai craqué pour un fuseau. De toute façon, depuis le début du festival, j'avais envie de découvrir quelque chose. J'avais vu le tissage aussi, mais ça me plaisait. Mais tu vas pouvoir tisser avec le fil que tu files. Hein. Et voilà. Et en fait, donc j'ai acheté ce magnifique fuseau. Un petit fuseau turc. Donc c'est elle qui l'a fait, voilà, donc c'est ça, un fuseau turc. Voilà. Donc c'est l'atelier Hopi. Alors vous voyez, sur toutes ces créations, il y a une petite pie. J'aimerais bien que ça fasse le focus pour que vous la voyez. Non, tu vois, il a du mal à faire le focus. Voilà, si c'est bon. Ah oui, d'accord. Et du coup, vous voyez dessus le fil que j'ai commencé à filer. Et j'étais super contente de moi. Ben super, parce qu'en plus, il est un peu dégradé. Il y avait, en fait, il est relativement fin. Ah oui. Tu as vu mes premiers filages que je t'ai montré. Ouais. Donc, elle m'a montré tout de suite sur le stand. Et j'ai pu repartir, j'avais déjà le fuseau avec mon petit fil... dessus pour pouvoir le faire. Elle m'expliquait comment il fallait tourner autour. Enfin, c'est vraiment alors, super bien. Ce qui est rigolo, c'est que Violaine... Alors, moi, j'ai un fuseau turc aussi, beaucoup plus grand. Mais bon, voilà, je l'avais commandé chez Artifilum. Moi, c'est un fuseau turc aussi. Hein, donc, il a quatre branches, il est démontable. Quand on veut le démonter, il suffit juste de coulisser. Oui, c'est ça. Et après, on enlève les deux branches. Et après, on se retrouve avec une pelote. Ouais. Et moi, je le tourne comme ça. Parce que quand je fais comme Violaine... Donc, il n'a pas du tout la même façon de tourner. Non, moi, je fais dessus... Tu fais comme ça, en dessous. Comme ça. Dessus, en dessous. Ouais. Ben, moi, j'ai un crochet au bout, en fait. Toi, tu as une petite rigole. Oui, c'est pas la même rigole, chose. Là, pas fait de la même et façon. Moi, j'ai un crochet. Et quand je le démonte comme ça, ben, ça me tire le fil. Voilà. Donc, j'ai pas pu le... Oui, d'accord, ok. Voilà, donc je le fais comme ça. Je sais pas si on va bien. Voilà.
Donc, et donc, du coup, qui m'avait dit... J'avais vu un podcast de fileuse qui disait il faut filer tous les jours. Ah oui. Ah oui, et c'est vrai que tu t'améliores. D'accord. Tous les jours, mais 10 minutes. Okay, file 10 minutes tous les jours. C'est ça. Et... Alors, nous, on a rigolé parce que maintenant, je monte sur le banc dans le jardin. Ah bah oui, parce que plus t'es haute, plus grande. Moi, on a besoin de rembobiner, quoi. Et voilà. En filant à peu près, je veux dire, une demi-heure tous les jours, ouais. Moi, j'arrive à filer que 2 grammes. Hein, ah mais oui, bah c'est sûr, oui. C'est oui, pas... Oui. Voilà. Oui, 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 oui. Parce que Jessie, à chaque fois, il me voit prendre une petite plotte. Il me dit, oh bah, tu peux en prendre plus. Non. En fait, ça, j'en ai pour la soirée. Enfin, parce que tu peux, une session de filage après. Pour moi. Ouais, d'accord. Et donc, ouais, j'ai acheté une magnifique nappe. Une nappe cardée de 100 grammes de mérino. Ouais. Regardez un peu ces couleurs. Dégradé. Ah bah là, on dirait qu'elle a les bonnes couleurs. Ouais, ça va du vert au mauve. Elle est magnifique. Et alors, la douceur. C'est super. Ah oui, c'est doux, on croit un nuage. Ah ouais. L'atelier Hopi. Donc voilà, l'atelier Hopi. Ouais. Je vous mettrai son Instagram aussi, parce qu'on s'est retrouvés sur Instagram. Super. Et elle est vraiment très belle. Elle fait vraiment des belles choses. Ouais. Nous, donc, voilà pour le festival de Sauxilange. Sauf qu'à Sauxilange, on m'a parlé de Fonty. Pas très loin, j'imagine. C'est quand même à l'autre bout de l'Auvergne, mais comme on était parti sur un périple et que ça ne s'est pas passé comme on voulait, enfin, on n'a pas visité vraiment les endroits qu'on voulait parce que ça ne nous plaisait pas au final, on s'est dit, traçons vers la Creuse pour voir les portes ouvertes de Fonty qui étaient le 20 et 21 juillet. Ah oui, alors ça tombait dans ton créneau. Voilà, c'était dans le timing, c'était juste une semaine après, donc on avait le temps de visiter entre les deux un petit peu l'Auvergne, enfin. C'est juste parfait. Donc nous sommes partis dans la Creuse, qui est un très joli département. Ah oui, c'est bon. Et nous avons visité Fonty. Je vous mets une petite vidéo pour vous faire découvrir. Il n'y aura pas de commentaires, rien, juste les machines en fonction, parce que c'est juste magnifique. Vous allez voir toute la. C'était laine. Des groupes de visite ou t'as fait une visite c'était toute des seule. Groupes de visite. T'as intégré un groupe de visite et. Caline a pu venir avec nous. Ah, vous allez la voir, comme elle était marrante. Elle s'est laissée faire, elle était un peu apeurée par le bruit des le machines. Le bruit, bah oui, puis c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Non, c'est ça. Donc t'as vu des. T'as vu le lavage? Non, le lavage, c'est pas chez non, vous. Non, on a vu. T'as vu ce qui filait. On a vu le filage, en fin de compte. C'est-à-dire que tu. Qui avec des machines. D'ailleurs, le gros du petit montage vidéo que je vous ai fait, c'est le filage de la laine. D'accord. Parce que j'ai trouvé ça tellement beau. Où on voit à la base la laine brute, elle passe après dans des espèces de cardeuses, mais du coup tout est automatique. Comme une nappe. Hein. C'est ça. Après on voit la nappe justement qui passe dans les machines et à la fin qui devient fil. Ah, vous allez voir, je vous laisse découvrir, c'est juste magnifique. Bon bah c'est parfait. Et donc bien sûr les achats qui vont avec. Voilà. Voilà. Tu nous montreras une prochaine vidéo parce que je pense que celle-ci va être un peu longue. C'est ça. On va s'arrêter là. Voilà. Eh bien, ben on va vous quitter. On est très contente d'avoir fait ce nouvel épisode. Hein. C'est ça. Très contente à chaque fois. Voilà, j'espère que très contente de se retrouver. Que ce qu'on de vous a raconté va vous amener des envies ou de faire des choses, de vous lancer dans des trucs. C'est un partage aussi. Et puis. Merci d'avance pour tous les commentaires que vous allez faire, les petits pouces en l'air comme dit tout le monde. Ouais, les petits pouces en l'air, abonnez-vous. Voilà, et puis voilà, on essaiera de venir une fois par mois à peu près. Ouais, une fois par mois, c'est un bon rythme, ça voilà. Presque qu'on fait. Ça nous permettra de vous montrer ce qu'on a fait. Et puis nos copettes de tricot et notre copette de couture viendront de temps en temps. Alors elles prendront ma place, ce sera toujours Violaine qui va être on va dire la colonne vertébrale du podcast. Et puis quelqu'un d'autre à côté d'elle à ma place. Voilà. Eh ben, on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. À bon très tricot, vite. Bonne bon couture, tricot. Bon filage, bon crochet. À bientôt.